Salut à tous, voilà qu'on se retrouve aujourd'hui pour un nouveau tutoriel vidéo comment surfer gratuitement à Orange Cameroun. Je sais, généralement, je vous ai promis un tutoriel de pompage de data avec les divers opérateurs, mais ce tutoriel vidéo, je ne vais pas le poster sur YouTube, mais je vais poster sur mon Twitter. Vous allez justement trouver le lien pour me joindre sur Twitter dans la description de la vidéo. Maintenant, je vais vous présenter, si vous voulez télécharger aussi l'application VPN que je vais utiliser dans cette vidéo, justement, vérifier la vidéo. Maintenant, je vais vous expliquer comment surfer gratuitement sur Internet mobile au Cameroun. Mais au préalable, avant de commencer, parce que les Camerounais aiment le terme fake vidéo, je vais vous présenter, je vais vous montrer justement mon solde Internet, mon solde, mon crédit de communication. Je vais vous expliquer la logique de mon crédit de communication. Je vais vous expliquer certains trucs. Donc, vous avez vu, j'ai 5,61 francs, un crédit qui ne doit jamais bouger. Donc, justement là. Oh merde. Oh, ne m'insultez pas avec mon téléphone, ça dérange vraiment, ça dérange vraiment. Voilà, crédit principal, c'est 1 franc. Maintenant, on doit vérifier 10, 120, 45, 10. Maintenant, on vérifie justement 1. Voilà, vous n'avez souscrit à aucun forfait internet. On va activer maintenant les données qui sont de vérifier si j'ai pas ce qu'on appelle des bonus internet pour Facebook ou WhatsApp. On va vérifier cela tout de suite. Vous avez dit que je m'explique pas, j'explique pas trop des vidéos de là, mes tutos vidéo, mais j'essaye de faire de mon mieux déjà pour les débutants en ce petit paramétrage internet mobile gratuit. Voilà, maintenant je vais vous présenter la configuration de mon téléphone portable. Configuration par défaut. Voilà, on passe sur paramètres, ensuite on passe sur plus, réseau mobile. Maintenant, vous avez là type de réseau. Si vous avez des téléphones qui supportent la 4G, je vous conseille de mettre en 4G, mais mon téléphone se limite justement à la 3G. Donc, je me contente de ma 3G. Voilà. Voilà ma configuration. On a ici Orange, on a là, tout là, c'est. Vous avez vu. Maintenant, la configuration reste par défaut. Je vais vous expliquer le principe du crédit de communication pour pouvoir charger les serveurs chez Orange. Voilà. Vous avez, si vous êtes attentif, si vous avez vu dans ma dernière vidéo, comment surfer gratuitement avec Cafone sur les réseaux Nextel. Si vous avez vu la vidéo précédente, la vidéo qui précède cette vidéo que je vais poster tout à l'heure, comment naviguer gratuitement sur Nextel, mais sur ordinateur. Le principe reste le même, le principe de crédit, du crédit de communication reste. Beaucoup d'entre vous ont vu cela, mais ils n'ont pas essayé parce qu'ils se disaient que ça ne marche pas, mais je vais prouver aujourd'hui comment ça marche. Vous vous rendez dans un call box, pour faire un transfert, vous faites le transfert d'une somme de 100 francs CFA. Après avoir fait le transfert de 100 francs CFA, vous serez débité d'un crédit de 100 francs CFA dans votre compte principal. Vous effectuez un appel, soit à votre ami ou à n'importe qui. Question, donc, vous effectuez un appel Orange-Orange. Vous consommez justement 40, vous faites 40 secondes d'appel. Cela dépendra de votre plan tarifaire, mais arrangez-vous qu'il vous reste 50 francs CFA dans votre compte principal. Quand il vous reste 50 francs CFA, vous lancez, vous activez vos données, vous patientez 5 à 10 secondes. Cela dépendra toujours de votre compte, de votre plan tarifaire. Quand il vous reste 5 francs CFA, donc au maximum 6 francs CFA, au minimum 5 francs CFA, qu'est-ce que vous faites maintenant? Il vous reste 5 francs CFA. Maintenant, ce crédit de 5 francs CFA qu'il vous reste après cette méthode que je vous ai montrée, quelle que soit la durée du surf que vous deviez émettre, que vous deviez faire, votre crédit ne bougera pas. Ne bougera jamais. Ça restera toujours 5 francs CFA. Voilà. Maintenant, l'application VPN, vous allez télécharger cette application dans Play Store ou bien justement visiter le lien dans la description de la vidéo, justement dessous de la vidéo, vous verrez télécharger ce fichier APK. Vous téléchargez justement. Voilà. On ouvre notre VPN. Avant d'ouvrir notre VPN, on active nos données. On ouvre notre VPN Ultrasurf.
a déjà entendu parler de UltraSurf. Ça fait des années que l'on n'a plus utilisé cela, mais on l'utilisait avec le brute force du, je peux dire, du siphon. Voilà. Vous avez proxy. La configuration reste par défaut, mais de temps en temps, je vous fournirai des mandataires qui sont de maître pour stabiliser votre connexion si cela dérange. Si vous avez un problème à faire, à effectuer cette configuration, n'oubliez pas de notifier en commentaire. Si vous avez aimé la vidéo, n'oubliez pas de faire, de mettre un like. Et vraiment, quand je verrai les 1000 likes déjà venant du Cameroun, cela me montrerait que ça me ferait beaucoup plaisir de poster davantage de nouvelles vidéos. Voilà, on clique justement sur Connecting. On compte jusqu'à 5, 1, 2, 3, 4 et 5. Normalement, ce VPN devait déjà être connecté. Oh, j'ai pas un bon signal réseau, justement. Je vais redéconnecter. On va compter jusqu'à 5. Je capte un peu de réseau. Donc, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Eh bien, ça a pris 7 secondes environ pour se connecter. C'est super rapide. Ce VPN est mieux que ce qu'on appelle SSR, ShadowSock, autant pour dire, Dash VPN, l'antenne VPN et bien d'autres VPN tels que Office VPN et Yoga VPN pour le Cameroun si vous voulez surfer gratuitement sur Internet mobile. On va essayer d'envoyer un message sur WhatsApp. Je voulais bien ouvrir, je pouvais bien ouvrir mon Facebook, mais il reste. Mon Facebook est très privé donc. Je vais ouvrir le groupe WhatsApp dédié à la chaîne YouTube. Le numéro reste le même, plus 1 585 902 91 34. On va écrire un message là. On va voir. Ah, c'est mon téléphone qui est un peu lent. Je pourrais me permettre à ouvrir les navigateurs, mais je ne peux pas. Mon téléphone est vraiment lent. C'est vraiment lent. Voilà. On va vérifier notre solde. S'il a bougé, on va vérifier notre solde. Pour voir si notre crédit de communication a bougé. Donc, on va interroger cela. Je n'ai pas un bon signal réseau. Donc, c'est pour ça que j'essaie de chercher un peu le signal. Je sais que vous m'avez déjà insulté dessus avec mon téléphone mobile, mais je vais changer bientôt. Pour le moment, j'ai pas d'argent pour acheter un autre téléphone. Voilà. Vous avez vu, il reste toujours 5,61 francs. Ce crédit est bloqué à vie. C'est bloqué jusqu'à ce que vous faites une autre recharge ou bien que vous appelez un numéro avant que ce crédit ne bouge. Donc, merci, merci, merci. N'oubliez pas de vous abonner à la chaîne YouTube si vous avez aimé la vidéo et parce que je posterai. Abonnez-vous aussi parce que je posterai la vidéo comment surfer gratuitement avec Orange Cameroun sur PC. Et n'oubliez pas de mettre pour, bon, généralement, pour profiter des téléchargements avec uTorrent et IDM. C'est le mot-clé. C'est le. Je peux dire le mot-clé, l'importance de se surfer sur ordinateur. Ça serait vraiment rapide. Ne vous limitez pas sur les réseaux sociaux de votre téléphone, mais téléchargez aussi des séries qui sont de vous distraire. N'oubliez pas de partager le lien avec vos amis. N'oubliez pas de partager le lien. Et n'oubliez pas, si vous avez un problème, d'écrire en commentaire, de notifier en commentaire votre problème que vous avez rencontré lors de la configuration. Au préalable, notez bien, j'utilise une Android. Et en version 6.1, donc si vous êtes déjà dans les versions 4.4, les versions antérieures, donc en dessous de 5, de 5.0, et vous avez des problèmes de configuration, vraiment, je vous demanderai d'acheter un nouveau smartphone et d'essayer d'utiliser les versions 5.x à 7.x. Donc, restez connectés justement et patientez la nouvelle vidéo qui sera postée dans environ 20 minutes, 20 minutes pour moi de préparer la nouvelle vidéo et à très bientôt pour une nouvelle vidéo.